Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max, on est de retour. Oui, je vois là un emballage Amazon. Bon, Amazon. désolé les gars, mais j'ai été obligé d'ouvrir. Ah bah oui, quand même, faut qu'on sache ce qu'il y a Ouais, dedans. je voulais m'assurer qu'est-ce qui Sinon, il y vient aura une arriver. surprise en direct. Voilà, donc j'aime pas les mauvaises surprises. Ouais, on préfère les bonnes surprises. Alors aujourd'hui, c'est Amazon qui nous envoie ça. C'est un petit produit, hein, rien de spécial. Ça ressemble à une clé USB. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que vous allez tester une clé USB? Mais non, on va pas tester une clé USB. On va tester tout simplement un dictaphone numérique qui D'accord. a la forme d'une clé USB. Vous voyez, c'est C'est assez original, hein? impressionnant. Alors je tiens à remercier eClever qui nous a envoyé ça, donc d'Amazon. À notre demande, bien évidemment, parce que nous, en fait, ça fait un petit moment qu'on voulait tester ce genre de produit, parce que bon, c'est vraiment très utile, hein. Bon, on a tous aujourd'hui un smartphone qui permet d'enregistrer, je vous l'accorde, mais on va dire que pour des événements exceptionnels, comme une réunion, on sait, on n'a pas le droit de sortir de notre smartphone. Donc, moi, je pense que c'est une C'est bonne vrai que idée. c'est plus pratique à porter qu'un smartphone, c'est tout Non, mais en petit, dehors de ça, je veux ça se glisse dire, les facilement. réunions, c'est interdit, les smartphones, vous savez. Effectivement, Eh ben oui, donc du coup, si on a une clé USB, ben personne ne sait que vous êtes en train d'enregistrer votre. voilà, c'est discret aussi, hein. Alors, en plus, l'emballage m'a l'air plutôt sympa, regardez. C'est un blister, mais qui s'ouvre tout seul. Ouais, pas besoin de cutter, pas besoin de Ah, ça, s'acharner chapeau. sur l'emballage. Chapeau. Voilà, donc vous allez voir, c'est super. Voilà comment on présente ce produit. Une petite notice. Une notice en anglais, visiblement, puisque je ne vois rien de. Ah oh oui, c'est en anglais, ouais, C'est le regardez. minimum. C'est le minimum syndical. Donc vous apprendrez rien. Bon, ce qu'il y a, c'est que voilà, le produit, il est vraiment. Regardez, j'ai une autre clé USB ici sous la main, vous allez voir que ça a le même format, regardez. Vraiment très ressemblant. Donc là, si on compare, regardez. Et pourtant, c'est un dictaphone qui est à l'intérieur. C'est assez impressionnant, non? Regardez. Disc recorder. Au niveau des matériaux, c'est juste du plastique. Ouais, c'est une espèce de gomme, on dirait. Donc du plastique et de la gomme là. Il y a un effet de gomme. Pour avoir une bonne prise en main. Ouais, Ça glisse c'est. pas des mains. Moi je dirais que c'est plutôt sympa. Hein. 8 Go de mémoire donc. Je ne sais pas Ça si on peut reste, bien le ouais, ça voir. reste C'est confortable. correct, non? Parce que quand il s'agit de l'audio, on n'a pas besoin de 50 Go. Hein. Voilà, on va passer tout de suite au test, hein, si vous voulez bien. Allez, à À tout tout de de suite. suite. Alors, on est de retour donc pour le test. Alors c'est parti. Donc l'utilisation elle est très simple. En fait, regardez. Alors on a un bouton on/off ici. Je sais pas si vous voyez On bien. voit pas très bien. Non, pas très bien. On va juste le mettre comme ceci. On, off. Voilà. Là, il est Voilà. en position off, donc éteint. Et dès qu'on va l'allumer, il va être en position. Donc si vous voyez bien, il n'y a rien d'autre sur la clé USB. C'est fait exprès, c'est volontaire pour pas attirer l'attention. Donc regardez. Donc on va activer ici. Par contre, je ne sais pas si on doit enlever le capot. Le capuchon, c'est juste quand on va le connecter sur Bon. l'ordinateur pour Alors c'est récupérer. parti. Donc vous allez voir, je l'active. Voilà. Voilà, le LED rouge, c'est qu'il faut patienter. Dès qu'il passe en bleu, voilà, là il est en bleu, donc on peut commencer à parler. Alors ceci est un test du dictaphone numérique. Donc là, on est en train de s'enregistrer. Et on va voir la qualité dans quelques secondes. C'est parti. Et donc on insère la clé USB dans son ordinateur. Donc normalement, elle est reconnue automatiquement. On va voir ça de suite. La voici. Voilà. Donc il monte facilement. On ouvre. On va dans le dossier Record. Donc c'est un fichier WAV alors. Voilà, c'est pas du MP3, c'est normal parce que le MP3 c'est trop gourmand. Le WAV, c'est vraiment le moins gourmand. Hein. Regardez, ça pèse à peine 300 kilooctets. On peut enregistrer quand même 150 heures. Hein. C'est énorme. Donc là, vous avez la fiche technique qui est ici, hein, donc sur Amazon. Alors, on va lancer le fichier donc sur QuickTime et c'est parti. Alors, ceci est un test du dictaphone numérique. Donc là, on est en train de s'enregistrer et on va voir la qualité dans quelques secondes. C'est parti. Voilà. Donc là, vous avez vu en direct la qualité du son. Bon, bien évidemment, ça ne va pas donner le même rendu
via la vidéo. Voilà, comme c'est un dictaphone, en fait, il faut parler un petit peu plus près Ouais, de. on était loin On là. était loin, On était loin. Hein. effectivement. Donc si je l'avais mis à côté de. On va décrocher. Donc l'idéal, bien évidemment, comme il s'agit d'un dictaphone, il faut le mettre près de la bouche pour avoir Pas un rendu. trop, pas trop. Non, non, pas collé. Hein. Voilà. Près de la bouche, c'est-à-dire qu'on ait un rendu à peu près correct. Ça évite voilà, de booster après le son sur un logiciel. Mais disons qu'il fait bien, il fait bien le job en fait, hein, parce que bon, ça reste quand même un dictaphone, ce n'est pas un Voilà, faut pas microphone. vous attendre à une Non, mais ce qualité n'est pas un microphone. exceptionnelle, hein. Ce n'est pas un microphone pour enregistrer des podcasts. Pas du tout. Donc voilà, c'est un dictaphone pardon, qui fait donc bien son Voilà, travail. vous avez une petite idée en tête comme ça, pour pas oublier, hop, vous vous enregistrez vite fait. Et puis bien évidemment, ça reste une clé USB. Hein. Oui, avec sa capacité Tout de à 10 fait. gigas, c'est Donc pour vous en servir comme une clé USB. voilà, donc si vous n'avez pas envie d'enregistrer votre voix, ben, vous pouvez au moins l'utiliser comme clé USB. Voilà, Disons que alors. ça dépanne, voilà, le jour où on a besoin d'avoir. Tout à fait. Alors bon, on ne va pas s'éterniser sur ce produit, mais sachez que voilà, il va vous rendre service si vous avez besoin de prendre des notes, c'est tout. Voilà, c'est plutôt un produit, on va dire, occasionnel, hein. Si vous avez besoin d'un vrai dictaphone, là, il faut vous tourner vers un produit plutôt haut de gamme. Voilà, ça reste quand même gadget. Oui, c'est un gadget, mais qui peut vraiment être très utile. Hein. Alors, le prix, il faut compter 23 euros. C'est sur Amazon. Et voilà, donc si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, hein, dans les commentaires. Hein. Bon, sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Merci encore de nous Merci suivre. Sony, merci Et à à très tous, à vite très sur bientôt. Maxi Gadget. Ciao. Salut.